Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ouais, donc petite lunette de soleil tranquille parce qu'il y a un super beau temps en même temps, donc c'est très agréable. Aujourd'hui, du coup, on va tester le croissant cookie. Le machin est devenu connu il y a pas longtemps sur TikTok, malgré le fait qu'il date quand même de 2022. Donc je suis peut-être un petit peu en retard pour faire une vidéo dessus, genre un vlog. Enfin bref, du coup, on va quand même découvrir ça. Je vais le goûter et donner mon avis du coup sur le croissant cookie. Autrement dit, le crookie. Et puis aussi, je vous dirai un petit peu la petite histoire concernant ce fameux crookie, croissant cookie. Bon bah voilà, du coup on est sorti de la boulangerie. Alors certes un peu cher pour un croissant avec du cookie, dessus, je sais pas si ça se dit. Je ouvre le petit sachet ici, 5,90€. On verra si c'est bon et puis je donnerai bien sûr mon avis du coup sur le produit. Autrement dit, la marchandise. Après du coup on a aussi une petite différence de 2€, parce que du coup c'est 7€ aussi sur place et 5,90€ du coup à emporter. Éventuellement je remets mes lunettes de soleil puisqu'il y a beaucoup de soleil. Donc du coup là on est à Montparnasse, on est rentré après 39 minutes, c'est-à-dire 36 minutes à peu près, de métro. Comme ça du coup on va aller dans un petit parc pour déguster ce fameux croissant qui a perdu de la chaleur, parce qu'à l'origine il était tout chaud, etc. Mais j'avais vraiment absolument envie de le goûter dans un petit parc. Bah voilà, du coup là on est posé dans un petit square, voilà, tranquille au calme, pour pouvoir déguster ce beau petit croissant cookie. Oh là là, ouais, il est dans un piètre état. Il était plus beau sur la photo. Ouais, c'est pas mal. Personnellement, moi je trouve que c'est pas mal du tout, parce que le cookie, personnellement, j'ai l'impression que ça a un peu ce goût de frangipane, et moi qui adore la frangipane, j'adore. On a le goût du croissant qui se ressemble. Après, c'est vrai que c'est un peu écœurant. Moi je dirais que t'en manges un pour découvrir, après c'est bon. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Après, pour le prix, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu moins cher. Mais au moins, on a vraiment une vraie quantité dedans, quoi. C'est vrai que le cookie, c'est pas, ça va pas vraiment être le vrai cookie qu'on mange, le cookie dur. Ça va être plus un cookie un peu moelleux, semi-qui, semi-moelleux. Après, oui, mais c'est pas la pâte à cookie. Là, c'est plus comestible, tu vois. Moi, j'ai déjà goûté de la pâte à cookie, c'était pas extraordinaire non plus. Personnellement, j'aime bien, donc n'hésitez pas à goûter, faire une expérience, et puis voilà. La fin de cette petite dégustation de croissant cookie. Alors, mon verdict sur 10, je pense que je mets un bon 5, parce qu'en soi, c'est bon, et c'est pas trop écœurant comme les pâtes à cookie crues. Après c'est quand même un peu écœurant, c'est très gras quand même. Pour la petite histoire du coup, c'est le patron de l'entreprise, en fait il était en train de faire des croissants. Et en fait ses autres équipiers, donc les pâtissiers aussi, ils étaient en train de faire de la pâte à cookies en même temps. Et en fait il s'est dit que pourquoi pas, ça pourrait être bien de mélanger les deux. De prendre la pâte à cookies et le mettre dans un croissant. Alors pas dans le but de révolutionner le croissant, mais dans le but de s'amuser, découvrir des choses. Et donc c'est à partir de là qu'il a commencé à faire le croissant cookie. Il n'y a pas de dépôt qui a été fait dessus, donc c'est pas protégé. Et ça veut dire que le croissant, il y a Picard, etc. qui se sont emparés de la recette et qui le revendent en surgelé, etc. Enfin bref, voilà en tout cas le petit vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit commentaire, à vous abonner donc sur tous mes comptes, Instagram, TikTok, YouTube. C'est tous ces mêmes, timeo.uniquement avec deux o. Au revoir les gens, c'était Timeo, adios. So brightly.